Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le dimanche 12 avril 2020. Je sais que ça fait un moment que j'ai plus tourné de vidéo. Je sais aussi que, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a plus aucune vidéo sur ma chaîne. J'ai tout enlevé. Enfin, j'ai tout mis, oui, j'ai tout enlevé. Je vais tout recommencer à zéro parce que voilà, je trouvais qu'elle me plaisait pas trop les vidéos, du coup je préfère tout recommencer à zéro. Et au programme d'aujourd'hui, bah écoutez, c'est dimanche, donc c'est un peu journée détente. Je ne travaille pas aujourd'hui, du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup aujourd'hui, bah, c'est comme je disais, c'est détente. Je vais faire un petit dessert, donc je vais faire un petit tiramisu. Je vais vous prendre avec moi. Je vais vous montrer comment je le fais, je vais vous le filmer. Et puis après, on mange barbecue. Bon, là, il est déjà passé, je crois qu'il est 1 heure. De l'après-midi, on s'est levé très très tard. On s'est levé, il était 11h30, je crois. Il était 11h30 quand on s'est levé. Et on a décidé de faire barbecue, du coup, voilà. Alors, voilà, donc je vous laisse, je vais vous prendre avec et je vais aller attacher mes cheveux. Et on va pouvoir commencer à faire le tiramisu. Bon, moi voilà, j'ai les cheveux attachés. On va commencer donc la recette du tiramisu. Du coup, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Alors voilà ce qu'il faut. Il faut des œufs, du sucre, des boudoirs, du cacao, du café et de la mascarpone. Et c'est tout. Du coup, moi je fais pour... Enfin, je fais d'après la recette. C'est pour 9 personnes parce que je sais comment on fait, mais pour les quantités, c'est un peu compliqué pour moi. Mais du coup, je regarde. Généralement, c'est sur... Je prends les recettes sur Marmiton généralement. Et là, ils disent que c'est pour 9 personnes, mais tout dépend un petit peu. Je vais voir combien de crème j'ai et puis on verra par rapport au plat. Normalement, je le ferai dans ce plat-là. Mais peut-être que je le ferai dans un plus grand, dépendant de la crème que j'ai. Du coup, on va commencer. Du coup, ce qu'il faut... Je vais arrêter de dire du coup, parce que ça fait beaucoup de du coup. Alors, ce qu'il vous faut, c'est... Ben, moi, je vais prendre le robot pour mélanger la pâte. J'ai préparé mon deuxième robot pour monter les blancs en neige. Ben, ce plat-là, ce sera soit celui-là, je sais pas, pour le café, pour mettre les boudoirs. Et puis, ben, ça pour mesurer le sucre. Du coup, on va commencer, comme je disais. Bon, oui, je suis assise. Je fais mes desserts plutôt assis. Pourquoi, je ne sais pas. On ne les fait jamais, j'ai jamais, voilà, on m'a toujours dit qu'on ne faisait pas assis ça, mais moi, je les fais assis. Après, je n'ai pas de plan de travail. J'ai ma table, et puis bon, elle est un peu basse, du coup, voilà. Bref, on s'en fout, comme on va dire. Du coup, on va commencer et en même temps, je vais vous parler un petit peu par rapport à la chaîne. Donc, on va commencer. Je vais mettre ma mesure pour mon sucre. Donc, il me faut les grammes. Voilà, les grammes. Alors, il me faut 300, je vais y arriver. 300 grammes de sucre. 302, mais c'est pas grave s'il y en a un tout petit peu de plus. De toute façon, il y en a qui restent toujours collés dans le bol. Voilà, donc j'ai les œufs, j'ai la mascarpone, j'ai les boudoirs et j'ai le cacao. Donc on a tout. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc par rapport à la chaîne, je vais y arriver. C'est dimanche, on va y arriver. Du coup, pour la chaîne, je pense vraiment la reprendre. Je crois que je vais faire une vidéo par semaine. Je pense que ce sera beaucoup des vlogs aussi. Parce que moi, ce que j'aime regarder, c'est surtout les vlogs que j'aime regarder sur YouTube. Du coup, je me dis pourquoi pas faire ça aussi. Du coup, j'aimerais bien faire un vlog par semaine, au moins. Un vlog ou une vidéo, je verrai bien. Mais je pense que ce sera plutôt des vlogs, parce que j'adore les vlogs, comme je vous ai dit. Bref, vous l'avez compris. Et du coup, je pense que ce sera tout. Tout ce que je voulais dire par rapport à la chaîne. Oui, il n'y a plus les vidéos, comme vous avez pu voir, parce que j'ai tout enlevé. Voilà, les vidéos... Sur le coup, quand je les ai tournés, pour moi ça allait. Et puis ben là, quand j'avais plus le temps pour en faire et que j'ai regardé, je me suis dit non, ça me plaît pas trop. Alors du coup, je les ai toutes enlevées. On va recommencer à zéro pour la deuxième, pour la troisième fois. Oui, la troisième fois. Parce que comme vous le savez aussi, la première fois, j'avais fait des vidéos avec mon chéri. On avait commencé sur Facebook. Puis j'avais supprimé la page Facebook parce que voilà, avec les cours, parce que à ce moment-là j'étais encore en cours et tout ça, et lui aussi, mais lui il était en cours et au travail en même temps, parce qu'il était, enfin il travaillait, il faisait des cours en même temps, il était apprenti.
Et du coup, c'était compliqué de gérer tout ça. Du coup, on avait arrêté, j'avais supprimé, j'avais continué un petit peu toute seule, puis après, j'ai supprimé complètement parce que j'arrivais pas à gérer les cours, et puis j'étais en dernière année, donc c'est compliqué. Et puis après, j'ai repris. Et j'ai repris ici pour une première fois. Ça n'allait, enfin, c'est pas que ça n'allait pas, mais c'était compliqué pour moi de gérer ça. Puis j'avais d'autres trucs à côté qui étaient compliqués. Et puis voilà, donc du coup je me dis pourquoi pas recommencer. Ça me plaît beaucoup, ça fait un moment que je me suis dit que j'aimerais bien recommencer, mais avec le travail j'avais un peu peur de pas savoir m'en sortir. Puis bon après je me suis dit de toute façon je vais me mettre juste une vidéo par semaine, un vlog, je me laissais déjà pas mal. Et si j'arrive à en faire plus, j'en fais plus. Si j'y arrive pas, j'arrive pas, je me mets pas la pression. Parce que je suis une personne qui me met très 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 fort la pression. Alors du coup, bah, je vais pas mettre la pression cette fois-ci et je vais faire comme j'ai envie de faire. Je ferai autant de vidéos que je veux, j'ai envie de faire, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, je ferai autant de vidéos que je veux sur les thèmes que je veux aussi. Parce que c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue quand j'ai commencé au tout début et j'essayais un peu de comment. Je ne savais pas où trop me situer et puis maintenant bah, je sais ce que je veux alors. Voilà. Du coup, bon, bah, je vais arrêter de parler et je vais commencer à faire mon dessert. Hop. Du coup, on a notre sucre et puis ben, on va le mettre dans le récipient pour mélanger. Hop. Donc voilà, le sucre c'est fait, donc on n'a plus besoin du sucre. Maintenant, on va casser les œufs. Donc il faut 9 œufs. Ça se dit 9 œufs. Bref, vous avez compris. Donc le sucre, c'était 300 g de sucre, si je ne me trompe pas. Oui, 300 g de sucre. Donc ça a été mis dans le récipient du robot. Maintenant, je vais mettre les jaunes d'œufs dedans. Puis je vais mettre les blancs d'œufs autre part. Bon, ça me fait un peu chier. Je vais mettre les blancs d'œufs dans mon deuxième récipient de mon deuxième robot. Mais du coup, il faut 9 jaunes d'œufs avec le sucre. Mais moi, ce que je fais pour les blancs, j'en mets toujours moins. Donc, au lieu d'en mettre 9 blancs 2, je vais en mettre que 6. Voilà. Du coup, voilà. J'ai que ça à dire. Du coup, il faut savoir gérer. Parce que moi. Oh! Attendez. Parce que moi, je vais faire une connerie là. On va d'abord mettre le blanc. Pas douée avec les œufs, moi ça a jamais été mon fort les œufs. D'habitude c'est mon homme qui s'occupe des œufs, moi je n'arrive pas, voilà. Ne me demandez pas pourquoi les œufs j'aime pas. Enfin j'aime les manger les œufs, c'est pas ça, hein, mais j'aime pas les casser. Parce que je les casse toujours très très mal. Bon du coup là le blanc est séparé, donc je mets le jaune. Hop. J'ai jamais été très douée. Toujours peur de me tromper et de mettre des coquilles. Alors du coup, je laisse toujours mon homme le faire parce que mon homme sait le faire. J'adore faire de la pâtisserie, mais j'arrive pas à les œufs. Voilà, c'est pour toi, c'est la base des pâtisseries. La plupart du temps, les œufs, pas dans tout, mais dans la plupart des choses. Et c'est ce que j'ai le plus du mal à gérer. Bon, là pour l'instant, ça va. Mais je vais pas parler trop vite. Hein. Oh, attendez, je me concentre parce que lui, il est mal cassé. Super Lara. Heureux que j'ai encore les autres cookies. Sinon, j'espère que vous, le confinement, ça se passe bien. Moi, écoutez, ben, le confinement, je suis confinée sans être confinée parce que vu que je travaille dans un magasin alimentaire, ben, on reste ouvert. On a juste nos heures qui ont été adaptées par rapport au confinement, ce qui est normal. Mais sinon, on est ouvert tous les jours sauf le dimanche. Et là, ben, on est fermé le jour férié qui est demain. Mais sinon, moi, mon confinement, il se passe très bien. Mon homme se passe très avec mon. Le confinement de moi et mon homme se passe très bien. Du coup, on a combien d'œufs? 2, 4, 4. Donc, c'est bon. Oh merde! Y avait une coquille. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai dit, je vous l'ai dit que j'étais pas douée avec les œufs. Après, ça va, c'était une grosse coquille, donc ça va, ça allait arriver. J'ai les doigts tout collants. Du coup, 2, 4, 5. Donc, je suis à mon cinquième œuf. Du coup, encore un œuf pour les blancs et ce sera bon. Comme je vous disais, c'est mon maman qui s'occupe
des yeux d'habitude, mais là, vu que je me suis dit, ben, on va faire un petit vlog. Je vais faire un petit vlog, du coup, je vais vous montrer comment je le fais, mon tiramisu. Et en même temps, vu que mon homme est en train de s'occuper du barbecue, il peut pas et s'occuper du barbecue et du tiramisu. Du coup, c'est moi qui le fais. Donc là, c'est mon dernier. Donc là, je suis à mon sixième œuf. Du coup, là, c'est mon dernier blanc. Du coup, comme je disais, on sépare les blancs des jaunes. On met moins de blanc. Après, voilà, chacun fait sa recette comme il veut. Moi, déjà, moi, je ne mets pas d'alcool. Dans mon tiramisu, il y en a qui le font, mais moi, je ne mets pas d'alcool parce que je n'aime pas l'alcool. Je n'en bois pas, je n'aime pas. Et c'est comme ça. Du coup, j'en rajoute pas, moi. Hop, pour les blancs, c'est fini. Du coup, le restant des blancs, ben, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je verrai bien après, je vais le mettre dans un petit bol. Hop, toujours prévoir. Je vais mettre dans un petit bol et je vais voir si je vais pas faire. Si j'ai de la mascarpone, je ferai peut-être un truc avec, je sais pas. Je vais voir après. Hop. Du coup, mes blancs, c'est bon. Je peux les mettre ici. Du coup, maintenant, on va s'occuper des jaunes. Il était chaud celui-là. Mais très très chaud. Merde! Oh, c'est bon, j'ai récupéré mon œuf. J'ai tout l'œuf qui est tombé, mais ça va, le jaune ne s'est pas cassé. Du coup, j'ai su le récupérer sans problème. Même s'il serait cassé, c'est pas trop grave. De toute façon, hop. Voilà. Plus que deux et je serai tranquille après. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez les œufs, enfin casser les œufs ou pas, ou s'il y a que moi qui suis-je la seule à ne pas les aimer. Ou s'il y a que moi qui n'aime pas les casser les œufs. Après, c'est possible, hein. Je sais que voilà, c'est la base des pâtisseries de casser les œufs, mais moi je ne suis pas douée pour casser les œufs. On peut pas être doué dans tout, j'ai envie de dire. Excusez-moi si je vous regarde pas, mais j'essaye de me concentrer en même temps pour pas mettre de coquilles. Hop, c'est bon. Je me casse plus le cul. Donc on a tous les œufs. Maintenant, je vais aller me laver les mains parce que j'ai les mains qui collent et je vais jeter les coquilles d'œufs. Du coup, nous allons commencer à mélanger. J'ai oublié de vous dire avant de commencer à mélanger parce que j'ai coupé parce que sinon vous n'entendriez pas ce que je dis. Il faut savoir donc c'est mélanger les jaunes avec le sucre et attendre que la pâte devienne, enfin faire blanchir un petit peu la pâte et une fois que la pâte est un peu blanchie, on rajoutera la mascarpone. Alors du coup voilà, la pâte est blanchie. Du coup maintenant je vais rajouter la mascarpone. Après, c'est vrai que je viens de voir sur le retour que ça paraissait jaune, mais c'est blanc. On dit. Du coup, je vais rajouter la crème fraîche, la mascarpone, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, du coup, il faut 750 g de mascarpone. Moi, j'ai pris deux pots de 500 g parce que j'en avais besoin pour faire ma pâtisserie de la semaine, comme je vous ai dit, la tarte. Et du coup, ben, je vais prendre les 250 g qui me restaient. Attends. Je vais mélanger les 250 grammes que je viens de mettre. Voilà, maintenant je vais rajouter les 500 grammes restants. Je rajoute petit à petit, on peut tout mettre d'un coup, mais moi je préfère rajouter petit à petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tiramisu, c'est un de mes desserts favoris, enfin préférés. Entre autres, mais c'est vraiment un de mes péchés mignons. Ça veut pas descendre. Dites-moi, vous, quel est votre dessert préféré? Votre petit péché mignon de dessert. Hop. Hop. Je vais mettre et je vais vous montrer. Du coup,
voilà, la préparation, elle est faite. Hop, voilà. Du coup, je vais monter mes blancs en neige. Il faut d'abord peut-être que je le branche. Je vais le brancher, je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est branché. J'ai plus qu'à le descendre. Alors voilà, mon blanc en neige est fini. Hop, j'ai juste rajouté la crème qu'il y avait autour. Voilà, hop, ça c'est fait. Du coup, comme vous pouvez le voir, ce qui est bien, c'est qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas que ça tombe, vous voyez. Quand c'est des blancs neige, vaut mieux. Après, si ça coule, ça tombe un petit peu, c'est pas trop trop grave. Mais c'est quand même mieux quand ils sont bien montés. Oh, j'arrive pas. J'essaye de dévisser. Ah voilà, l'autre plat. Hop. Celui-là, j'en ai plus, sinon je peux le débrancher. Du coup, nous allons mélanger notre préparation de mascarpone sucré tchiketchak avec notre blanc en neige. Par contre, il ne faut pas les mélanger, c'est pour ça que je l'ai enlevé de mon robot. Il ne faut pas le mélanger au fouet ni rien, enfin au fouet, je dis pas au fouet, mais il ne faut pas le mélanger avec un mixeur ou quoi. Parce qu'en fait, les blancs, quand vous les incorporez, il faut les, ben voilà, il faut les incorporer dans la pâte et il ne faut, faut pas les casser en fait, il faut juste les incorporer. Du coup, moi je mets pas toujours, je mets partie par partie, hop, voilà. Et je vais incorporer... Vous tournez autour avec la pâte en fait. Il ne faut pas les casser, il ne faut pas les fouetter, il ne faut pas les mélanger comme si vous mélangiez la pâte juste avant. Il faut les incorporer délicatement à la pâte pour ne pas casser les blancs. Parce qu'en fait, c'est justement pour ça qu'on les monte en neige. C'est pas pour les casser après, quoi. Sinon, ça ne sert à rien de les monter en neige. Ce qu'il y a, c'est que quand ma mère elle faisait quand j'étais petite, ce qu'on faisait, on attendait toujours qu'elle finisse son plat pour pouvoir, enfin qu'elle finisse de mettre la pâte dans son plat. Comme ça, on allait relécher avec ma soeur et mes deux frères, on allait relécher le fond du plat. Je sais pas si vous, vous faisiez pareil. Après, je le fais toujours. Hein. je ne suis plus chez ma mère, mais je le fais toujours pour autant. Quand je fais mes pâtisseries, je le fais toujours. Voilà. Je lèche le fond des plats. Enfin, je lèche. Voilà quoi, vous avez compris. Je reprends le fond du plat, quoi. Donc, une fois que j'aurai fini mon tiramisu, j'irai manger parce que mon homme est en train de préparer le barbecue. Non, il devrait être prêt. Donc là, il est... Enfin, je ne sais pas quelle heure il est. Je n'ai pas mon... J'ai devant mon four à micro-ondes, j'ai des bouteilles, du coup, je ne sais pas voir. Mais je crois que j'ai vu, il y a... quand j'étais en train de monter les blancs, je crois que j'ai vu qu'il était 2 heures. Et quand je vous ai pris, il était 1 heure, un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est une recette qui prend normalement 20 minutes à faire. Et ça fait 1 heure que je suis dessus. Après, voilà, je vous parle. J'essaye de bien faire et de vous montrer ce qu'il faut aussi. Donc ça prend un peu plus de temps, mais bon. En général, je prends toujours plus de temps que ce que la recette dit qu'il faut faire. S'il me dit qu'il faut 1 heure, moi je prends 2. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Je vais incorporer le reste. Ah. Voilà. On va incorporer tout le reste. Une fois que c'est incorporé, on va allumer notre machine à café pour le café. Ils disent qu'il faut mettre le café une fois qu'il est un peu froid, mais moi je faut qu'il soit froid ou chaud, moi je le mets directement mes boudoirs dedans. Après je vais finir ça et je vous reprends juste après. J'ai fini de tout incorporer. Voilà ma petite pâte, je viens dans mon doigt, mais c'est trop trop. Hop. Ça, bah, au final je peux laisser dedans. J'ai les boudoirs. Vous pouvez prendre n'importe quoi comme boudoir. Moi, généralement, nous, on prend généralement... Enfin, au début, on prenait les boudoirs normaux. Et puis, on a testé les boudoirs exprès pour tiramisu. Et franchement, ils sont meilleurs. Parce que le biscuit est vraiment bien moelleux. Après, ça va, ça fait l'affaire aussi. Hein. C'est très, très bon. Hein, mais j'en ai pas trouvé quand j'ai voulu aller en acheter. Du coup, j'ai pris celui-là. Du coup, je vais faire mon café.
Du coup, je vais faire avec cette machine-là. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai pas besoin de préparer avec le thermo et tout ça. On allume, on attend. Mais donc, comme je disais, je pensais le refaire dans ce plat-là, mon tiramisu. Mais du coup, je me demande s'il va pas être un peu petit. Parce qu'au niveau de la crème, j'ai quand même tout ça de crème. Donc, je sais pas. Je vais voir. Quand... Ah, voilà, c'est prêt. Je vais faire couler mon café sans que mon téléphone, enfin le téléphone de mon ami me tombe. Du coup, je vais essayer avec ça. Hop. Bon, il me faudra plusieurs capsules, hein. Vous avez bien compris. Je crois qu'il va m'en falloir quand même facilement. Donc le plat, comme je disais, je ne savais pas, mais au final, je vais quand même le faire dedans. Et j'ai un autre petit plat, du coup, si je vois qu'il y a trop de crème, je ferai un deuxième dans un petit. On va faire comme ça. Oh, ne tombe pas, toi. Voilà. Du coup, je vais mettre pour la deuxième capsule. Hop, voilà. Normalement, je bon, le... j'ai mis les œufs là, mais je l'ai mis comme ça parce que si je le mets dans le bol, quand je vous ai montré que j'ai mis les blancs en deux qui restaient, le problème c'est que, arrivé dans le fond, les bidoirs sont trop grands. Du coup, je préfère prendre un gros plat et savoir mettre. Du coup, on va prendre. Je vais ouvrir mes boudoirs. Hop. Ah, ils sont déjà cassés. Voilà, je prends. Je, il faut imbiber un. Je vais imbiber. Imbiber, ça. Imbiber un petit peu de chaque côté. Mais faut pas le tremper trop non plus. Parce qu'après, il va fort. Comment? Il va fort ramollir et puis avoir le fort goût de café. Alors. Voilà, il a été trempé des deux côtés. Et puis vous mettez dans votre plat. Je vous montrerai après. Après, il y en a, ils n'aiment pas faire au boudoir. Moi, je sais que ma mère, elle en fait tout le temps au boudoir, mais elle n'aime pas les boudoirs. Alors, du coup, de temps en temps, on en fait au spéculoos aussi. C'est très bon. Il est tombé dans le café. Moi, j'avais pris deux paquets de. Voilà, j'ai déjà vous montré. Justement, pour pas mettre du café partout. Je vais vous montrer. Voilà. Mes boudoirs imbibés de café. Et maintenant, on va ajouter. Oh. On va ajouter la crème. Ce que ça donne, je sais pas si on voit. Hop. On voit encore un peu de boudoir là, mais normalement ça va. J'ai quand même bien une bonne couche de crème. Voilà, du coup, ma deuxième couche de boudoir. Et je vais mettre ma deuxième couche de crème. Hein. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très lisse, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon cacao. Mon soufflé. Et voilà mon tiramisu. Du coup, maintenant, je vais le mettre au frigo. Et là, normalement, moi, les tiramisus, je les fais, je les mange le lendemain. Mais là, c'est vrai que normalement, je devais le faire ce matin. Mais vu que je me suis levée un peu tard ce matin pour le manger ce soir. Mais je vais le mettre au frigo. Mais normalement, c'est bien qu'il repose toute une nuit. Normalement, toute une nuit. Mais là, je vais le mettre au frigo et je verrai bien ce soir voir ce que ça donne. Et si je vois que ce soir qu'il est bien, bah, je le mangerai ce soir et je vous montrerai ça ce soir. Du coup, je le mets au frigo. Mais il me reste encore beaucoup de pâtes. Je vais vous montrer. J'ai repris mon petit, normalement c'est un moula cake, mais c'est pas grave, je fais souvent mes tiramisu dedans. Il est un peu plus petit, du coup je vais faire ça tout de suite. Voilà mon deuxième tiramisu. Du coup voilà mon tiramisu, mes deux tiramisu du coup sont faits. Du coup je vais ranger, je vais finir la crème et puis je vais aller manger mon barbecue. Après, je vais juste vous montrer comment aujourd'hui. Hop, je sais pas. Hop, voilà. Petite robe. Avec des petites chaussures comme ça. Hop. Du coup, voilà. Donc, je vais aller manger maintenant. Et voilà. Et voilà, petit barbecue. Tu fais coucou, Marley?
Coucou. Non? Bon, là, on a fini de manger. Je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? 3h52. Il est 3h52. On a fini de manger. Le tiramisu est dans le frigo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au final, le restant des œufs, enfin des blancs d'œufs, je les ai jetés. Parce que, voilà, je sais pas quoi faire avec. Là, je vais me reposer un petit peu. Je vais enlever ma pince. Hop. Je mets une petite pince. Voilà. Hop. Voilà, j'ai enlevé donc ma pince. Je vais me reposer un petit peu. Là, mon petit Tom va tourner une vidéo avec un ami pour sa chaîne YouTube. Enfin, pour la chaîne. Oh, mes cheveux! C'est vraiment une catastrophe! La chaîne YouTube de son ami. Puis, avant de me reposer, je vais faire 2-3 mails parce que j'ai quelques mails à envoyer. Mon homme aussi. Et puis, voilà. Mais je reprendrai tantôt, une fois que j'ai fini tout ça. Je reprendrai fin d'après-midi. Enfin, fin d'après-midi, non, puisqu'il est déjà, enfin, presque fin d'après-midi. Mais je reprendrai tout à l'heure. Bon, me revoilà. Donc, on a fait tout ce qu'on avait à faire au niveau des papiers et des mails. Je me suis reposée. Mon homme, lui, a fait la vidéo avec son ami. Là, je vais jouer un petit peu à notre jeu, ben, moi et mon homme sur le PC, qui est House Flipper. Voilà. Du coup, c'est un jeu qu'on aime bien, ben voilà, qu'on aime bien, qu'on a fini en 3 jours, je crois. Quand on l'a installé, on l'a fini en 3 jours. On a téléchargé les autres DLC, donc les autres mises à jour à installer. Là, il y en a une qui s'est installée il n'y a pas longtemps qu'on va regarder pour justement jouer. Et puis, ben, je vous reprends juste après. Bon, je vous reprends. Il est 21h. Il est 21h, donc la fois que je vous ai pris, je crois qu'il était 3 ou 4 heures. Entre-temps, ben, comme je vous ai dit, on s'est reposé. Moi, j'ai joué à mon jeu. Mon homme, enfin, m'a regardé jouer. Et voilà, j'ai presque fini de faire ce que j'ai à faire sur ce jeu-là. Puis après, je vais arrêter. On va aller souper parce qu'on n'a pas encore soupé. Il est 21h, on n'a pas encore soupé. Mais vu qu'on a mangé tard, il était 3h quand on a mangé quand même, quand on a dîné. Hop, excusez-moi. Quand on a dîné, du coup, on n'a pas fort faim. Mais on va juste manger pour avoir un truc quand même dans l'estomac. Du coup, voilà le tiramisu. Je sais pas où ce qu'il en est, je vais aller vous dire ça. Oh, la qualité. N'a pas été top top. Du coup, j'ai regardé. Oui, je regarde. Et ça va. Le tiramisu a bien pris. Je pense qu'on va manger un petit bout. Parce qu'on n'a pas pour faim. Du coup, on va manger un petit bout de ça. Et puis, je vais vous le montrer. Donc voilà, donc les tiramisu, je vais vous les montrer. Donc le premier et le deuxième. Le deuxième n'a pas encore très très bien pris à ce niveau-là. Du coup, on va manger le deuxième. Bon, vous m'avez compris avec le premier et le deuxième. Il y en a un qui n'a pas très bien pris, donc on le mangera demain. Et l'autre, on va en manger un petit bout aujourd'hui. Du coup, voilà. Du coup, je vais manger ça. Parce qu'on n'a pas fort faim. Du coup, je crois qu'on va même pas manger. On va manger le restant d'hier, d'aujourd'hui. On les mangera demain. On va manger un petit bout de tiramisu. Et puis voilà. Du coup, je vais arrêter mon vlog pour aujourd'hui, maintenant. Désolée, bref, c'est mon homme qui m'a dit une connerie. Mais qu'est-ce que je disais? Tu me perturbes, je sais plus ce que je disais. J'arrête, oui, j'arrête mon vlog pour aujourd'hui maintenant. Je le reprends demain, comme ça sera un vlog sur 2 jours. Et du coup, je vous dis à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on est lundi 13 avril. Je continue mon vlog de hier. La suite du vlog de hier, vous avez compris. Il est 11h20, je crois. Oui, 11h20. On s'est levé il y a 1 heure. Donc, je vous prends maintenant. Je me suis préparée et tout. Parce que même si c'est le confinement et qu'on ne peut pas sortir, bah, ça sert à rien de rester en pyjama toute la journée. Hein. Même si je le fais de temps en temps. Hein. Sauf que moi, je travaille quasi tous les jours. Donc, c'est compliqué de rester en pyjama. Hein. Mais généralement, j'essaye de. Le dimanche, généralement, je suis en pyjama. Mais comme vous avez pu voir hier, j'étais apprêtée. Ça dépend des jours, quand j'ai envie de m'apprêter ou pas. Bref, là, je vais regarder pour faire notre petit déjeuner dîner, du coup, vu qu'il va être midi.
Au programme, ce sera des œufs. Oui, des œufs avec des saucisses au roquefort. Et comment? Hop, vous voyez, mais comme ça. Là, on est en train de regarder pour réorganiser notre maison, pour retrouver un peu de place, parce qu'on a quelques petits soucis par rapport à notre pièce, mais ça, je vous expliquerai dans une autre, dans une vidéo spéciale home tour, quoi, si j'en fais un. Du coup, voilà. Du coup, je vais aller préparer. Je sais pas par où je vais. Je suis perdue. Je vais aller. On va regarder pour préparer notre petit déjeuner souper dîner oui petit déjeuner dîner excusez-moi pour le prix de la porte. Je vais vous montrer comment je me suis apprêtée aujourd'hui. On met ça, hop, voilà. J'ai mis un, j'ai pas mis de chaussures hein, mais j'ai mis un petit short avec un petit t-shirt noir. De toute façon on sort pas aujourd'hui, donc c'est tout bon pour la maison. Et donc voilà, du coup je vais préparer tout ce que j'ai à préparer et puis je vous reprends juste après. Voilà notre petit déjeuner dîner. Des œufs, enfin 3 œufs et des saucisses au roquefort. Aujourd'hui ça va être séance ménage. Du coup ben là on va ranger ce qu'on a mangé. Et on va commencer à faire le ménage et je vous reprends juste après une fois qu'on a fini de faire le ménage. Petite update par rapport au tiramisu d'hier. Donc hier on l'a goûté, il était très très bon. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le tiramisu, généralement, il faut un jour pour qu'il se repose. Et c'est vrai que ben, on le sait, hein, c'est pour ça qu'on savait très bien hier quand je vous ai dit qu'on mangerait un petit bout, c'était juste pour goûter en fait, voir si c'était quand même bon. Parce qu'après, voilà, on en avait envie aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais mangé un tiramisu comme ça directement. Enfin, quelques heures après, du coup, on a goûté et c'est vrai qu'il faut vraiment attendre le lendemain, comme on fait d'habitude. Je sais pas pourquoi hier on avait envie. Voilà, c'était comme ça. Mais sinon, il était très très bon. Il fallait juste attendre encore un peu parce que les biscuits n'étaient pas encore bien reposés. Reposés, voilà. Et j'ai un petit tapis ici qui me fait chier. Mais c'est pas grave, on est à la maison, c'est pas grave. Donc, voilà, il est passé 5h30, je crois. J'ai, désolée si ça résonne, je suis dans le couloir. J'ai fini le montage de la vidéo. Elle a pris du temps parce qu'elle est un peu longue, j'avoue. Mais je vais finir le vlog ici, du coup, parce qu'elle fait quand même presque 33 minutes. Pas plus avec le rajoutement de ça. Mais bon, voilà, c'est parce qu'avec la préparation de tiramisu, ça a pris du temps. Mais, du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. Bon, j'ai une sale tête, hein, ça c'est pas grave. Donc j'espère que la vidéo, enfin le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et je vous fais plein de bisous.